Salut la jeunesse, vous aimez les sports mécaniques, vous aimez les motocyclettes qui vont vite, vous aimez les cascades impressionnantes, les casse-coups qui se cassent vraiment le cou, eh ben venez, nous allons jouer aujourd'hui à, j'arrive jamais à retenir le nom parce qu'il est difficile à prononcer en anglais, c'est Urban Trial Freestyle. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'un coup, mais ça passe mieux. Non, Urban Trial Freestyle, on va dire. Un jeu dans la lignée de Trial Evolution, souvenez-vous, on avait beaucoup rigolé, on avait joué à 4. Donc c'est le même genre, sauf que là, on joue tout seul. Alors au début, on se dit, bon, c'est pas terrible, ils ont juste réactualisé le truc avec des graphismes un peu plus jolis. C'est vrai que c'était limite, ceux de Trial Evolution. Et vous allez voir qu'en fait, c'est subtil et malin et plutôt bien foutu. Allez, on y va. Donc il y a plein de niveaux à ouvrir. Commencez par les plus basiques, hein, histoire de vous faire comprendre le principe assez vite. Le principe, on peut pas faire plus simple, il y a une touche pour accélérer, droite-gauche pour se pencher vers l'avant, vers l'arrière, et on freine avec le carré, et c'est tout. Et dans tout ça, faut essayer de garder l'équilibre, de pas se vautrer, et de faire des cascades absolument hallucinantes. Tiens, regardez, je vous fais un petit retourné juste pour le plaisir, ça marque pas de points, mais ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir. Et regardez, c'est dans l'intro de James Bond Skyfall, où il est carrément en moto sur les toits d'un bidonville, bah là, c'est un peu le même genre. Donc, c'est vraiment le principe de Trial Evolution, il n'y a pas photo. Sauf qu'il y a des petites subtilités. Vous voyez que sur ce parcours, par exemple, là, je dois faire un saut en hauteur, un saut en longueur. Oh, et un saut de précision. Et tout ça me ramène plus ou moins de points selon ce que je réussis à faire. Surtout, c'est des environnements qui sont assez parlants, vous voyez, avec des mecs qui se cassent la gueule avec des cartons, des trucs vivants, quoi. Trial Evolution, ça montait, ça descendait dans tous les sens, les décors étaient assez jolis, mais on se retrouvait un peu toujours quand même dans les mêmes ambiances. Là, regardez, on va aller faire une petite fête foraine, un peu miteuse. Il y a vraiment des ambiances super, et surtout, il se passe plein de choses sur le parcours. Des gens qui traversent la route, des mecs qui se vautrent avec ses petits cartons, voilà. Donc, j'y vais, donc je joue tout seul, mais si vous regardez bien, vous devriez peut-être pouvoir apercevoir, le voilà, mon fantôme qui montre les temps que j'ai fait lors de mes précédents essais, et ça me permet de savoir si je fais mieux ou moins bien que la fois d'avant. On peut aussi choisir de regarder les fantômes de ses potes, histoire de jouer contre ses potes. Hop hop hop. Ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a de la bonne grosse gamelle. Le moteur physique est pas mal du tout. C'est vraiment, quand on se gamelle, c'est pas à moitié. Ça fait 4 fois que je me la mange sous le menton, faut que j'aille peut-être un peu plus vite ou un peu moins vite. Donc vous voyez, il y a des checkpoints et on recommence à chaque fois. Moi, je suis têtu. Hein, je vais refaire 4 fois la même chose, mais je vais finir par le passer, ce truc-là. Voilà, donc faut essayer de passer au bon moment. Oui, ça y est, ça a fini par passer. Donc tout ça, évidemment, c'est des essais successifs qui permettent d'y arriver. Regardez, je vais faire le malin. Hop, je vais rouler. Ah, j'ai raté. Je voulais rouler un peu sur la grosse balle de golf géante. Donc vous voyez, les décors sont quand même vachement bien. Regardez, hop, on dirait un ours dans un cirque qui roule avec ses petites pattes sur une balle. Donc me voilà sur des montagnes russes. Donc là, je suis juste en mode, comment dire, en mode timing, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive le plus vite possible à l'autre bout du niveau. Mais il y a aussi des moments où il y a des figures. Oh, c'est catastrophique mon run, c'est assez catastrophique. Je le referai tout à l'heure. Donc je peux refaire par exemple le même niveau, mais avec du saut en longueur, du saut en hauteur. Oh là là, je pédale dans la smoule. Il doit être loin là, mon fantôme. Regardez, je suis dans le train fantôme, vous avez vu. Je suis passé à l'intérieur du train fantôme d'ailleurs. Voilà, donc des niveaux assez fun, vraiment rigolos, sur lesquels il se passe plein de choses. Alors au début, on trouve ça assez bourrin. Le moteur physique, on va dire, est un petit peu plus sympathique que celui de Trial Evolution. Trial Evolution, il pardonne rien. Vraiment, vraiment, il est hyper exigeant et tout ça. Là, c'est un peu plus sympa. Le moteur physique est un peu plus coulant, un peu moins réaliste. Et du coup, c'est plus fun, j'ai envie de dire. Voilà, hop, là, vous voyez, je viens de passer le radar. Je l'ai passé, je ne sais plus, à 50 km/h, un truc comme ça. J'essaie de passer le plus vite possible. Là, je peux essayer de faire des... J'aurais pu essayer de faire des petits flips, mais ça va être difficile, vu le peu d'élan que j'ai. Donc, vous pouvez faire des figures. Ça marche aussi. Puis avec... Donc, juste en appuyant sur la touche d'accélération et droite-gauche pour pencher plus ou moins votre personnage. Voilà, son hauteur, alors là je suis pas terrible. Il faut faire gaffe, regardez, attention la tête. On peut pas se baisser, donc faut juste passer un peu moins vite. Et c'est là qu'on commence à se dire que finalement il y a des petites subtilités, il s'agit pas de foncer tout le temps. Il y a même des coins qui ressemblent carrément à des jeux de plateforme.
tellement il faut connaître le coin pour arriver à franchir. Allez, saut le plus long, essayer de prendre bien de l'élan. Ouais, par contre, j'ai battu mon petit record de saut, là. Il a levé le bras en l'air, c'est que c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc à chaque fois, chaque run me rapporte des étoiles, et quand j'ai un certain nombre d'étoiles, j'ouvre les trucs suivants. Je sais pas combien, j'ai 81 étoiles jusqu'ici. Donc maintenant, ah, le manège en chantier. J'aime bien les noms, les traductions. Il me faut, je crois, 83 étoiles pour ouvrir maintenant des nouvelles, des nouveaux niveaux. C'est pas difficile comme mot pourtant, mais voilà. Alors regardez, ça j'aime beaucoup, c'est une sorte d'air de pique-nique. Voilà mon fantôme qui se précipite contre un arbre bêtement, mais en même temps, il avait raison. Donc là, par exemple, je trouve que c'est assez mal barré pour moi par rapport à mon fantôme. Donc je peux appuyer tout de suite sur Select pour recommencer, histoire de reprendre le niveau tout de suite. Quand vous voyez que c'est mal barré, des fois, c'est pas la peine d'insister. Et puis parfois, ça vaut le coup d'insister. Donc à vous de voir. Vous pouvez reprendre soit des checkpoints, soit depuis le tout début. Quand vous avez fait un mauvais démarrage, en général, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Regardez ça, hop. Donc, j'ai une légère avance sur mon... Oh ! Sur mon fantôme, mais ça va pas durer. Oh, j'adore comment ils se cassent les dents. Regardez ces pauvres couples en train de pique-niquer. Je suis en train de leur ruiner leur petit pique-nique romantique. À venir faire de la motocrotte sur... Oh, sur leur parcours, je penche trop vers l'avant. Voilà. Quand je vous disais que le moteur est sympa. Regardez là, faut se glisser sous la branche. Sinon, on se la tape dans le front. C'est assez horrible. Voilà. Oh, je suis pas si loin que ça de mon petit fantôme. Le gars pense être tranquille ici. En train de méditer sur un rocher. Et me voilà. Regardez, il y a carrément des éboulements, des trucs de folie. Ah, je vais peut-être battre mon fantôme. Ah non, dommage. J'aurais pu... Ah voilà, le gars qui médite. J'aurais pu peut-être. Sur les rondins, je pouvais l'avoir. Donc là, je vais pas refaire Oh, Marc, c'est pas possible. Je vais pas refaire le niveau plusieurs fois, mais l'idée, évidemment, c'est tout de suite après de le recommencer pour essayer de faire un meilleur score et de gagner un maximum d'étoiles. Allez. Ah, pourtant, j'étais pas loin. Voilà, j'étais pas loin de la fin du parcours. Et donc il y a quand même des dizaines de circuits assez malins. Chaque circuit peut être fait soit en contre-la-montre, soit avec des figures. Là, je vais essayer de vous montrer le maximum de trucs. Donc on va passer, vous voyez, on était un peu dans la forêt. On va maintenant aller en ville avec Terreur Urbaine. Et puis avec l'argent que je récolte, je peux m'acheter un nouveau moteur, un nouveau châssis. Je peux changer même l'apparence de mon personnage. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Le fric, vous le récoltez, il y a des sacs de fric qui sont planqués un peu partout dans le décor. Soit ils sont un peu en hauteur, donc faire des gros sauts pour réussir à les choper. Soit ils sont planqués parfois, faut faire marche arrière pour aller les récupérer. C'est assez rigolo. Donc vous avez vraiment intérêt à revenir dans les niveaux que vous avez déjà parcourus. Regardez-moi ça, c'est vraiment un film hollywoodien avec carrément le train qui explose. C'est un film de Bruce Willis ou de ZZ Top. Parce que il a un peu une tête de ZZ Top, je trouve, mon mec. En fait, il a juste un foulard, c'est ce que je lui ai choisi comme costume, mais je trouve qu'on dirait qu'il a une barbe. Comme les chanteurs des ZZ Top, je me rends compte que je suis le seul à les connaître encore. Ce sont des chanteurs des années 80 qui faisaient de la country avec des grosses barbes rigolotes. Des gars plutôt amusants. Je pense pas qu'il soit mort, mais artistiquement peut-être, je ne sais pas. Chantait « Give me all your lovin' » pour les plus jeunes. Voilà, c'était la minute éducative de tonton Marcus. Regardez-moi ces parcours, ils sont quand même bien lâchés, c'est du grand n'importe quoi. Là, il va falloir que je fasse un petit saut en hauteur, donc je prends un maximum d'élan. Et hop, la petite cabriole, elle est pour moi. C'était juste pour faire joli, ça me rapporte pas de points. Mais parfois, c'est sympa de faire des petits sauts périlleux. Très périlleux. Là, vous voyez que ça commence à être périlleux par rapport au premier niveau que je vous ai fait voir tout à l'heure, où il n'y avait pas grand-chose. Ça ressemblait beaucoup à Trial Evolution. Là, vous voyez qu'on approche de quelque chose d'assez différent, d'assez chaotique. Oh, je me suis vautré juste devant la pelleteuse. Allez, allez. Voilà, là, ça devrait passer. C'est pas le saut le plus long que j'ai fait, mais c'est pas mal. Ça va peut-être me valoir une petite étoile quand même. Pour le principe, là, je pédale un peu dans le sable. Donc, avec l'argent, vous achetez de nouvelles motos et du coup, ça vaut le coup de revenir faire les niveaux du début. Parce qu'évidemment, vous améliorez votre temps. Ah, 5 étoiles, pas mal, j'ai dû améliorer mon temps. Allez, 82 étoiles maintenant. C'est du béton. Allons-y pour c'est du béton. J'adore la musique. Ah bah, évidemment, elle s'arrête quand j'en parle, mais elle est assez top. Regardez, là, je suis carrément sur les toits, ça devient du grand n'importe quoi. Tentez le saut le plus long, c'est pas terrible du tout.
Il y a un gars qui est en train de casser la croûte sur le rebord du chantier. Alors, haute précision, faut que je tombe pile au milieu de la cible ou pas loin. Oh la vache. Alors là, on me jette des objets enflammés à la face. C'est quand même pas très sympa. Alors là, pour ce saut le plus haut, vous voyez, j'aurais pas dû foncer en fait. J'aurais dû prendre la rampe de beaucoup plus haut. Je peux reculer un peu, mais là, ça me fera pas assez d'élan. Je fais quand même un petit saut périlleux juste pour le principe. Voilà. Ça, c'est pour mon public. C'est pour toi, public. Hop. Regardez ça, si c'est beau. Je retombe sur les voitures de police qui sont censées me pourchasser. Et j'arrive à la fin. C'est quand même l'occasion de se payer des bonnes grosses gamelles. Et moi, j'aime ça dans les jeux, quand on se paye de la bonne grosse gamelle. L'avenue perdue. Là, on va carrément traverser des bureaux, un immeuble de bureaux. Ça devient vraiment n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup la musique. Ah mince, faut que j'y pense la prochaine fois. Puis je devais la laisser un petit peu. Regardez ces pauvres gens dans les bureaux qui n'en demandaient pas tant. Mon fantôme qui court avec moi. Qui a même une petite avance. Regardez, un hélicoptère sur le côté qui part en vrille. C'est n'importe quoi. Allez, j'y retourne tout de suite. Je reprends depuis le début. Je vais essayer de faire mieux que mon fantôme sur ce coup-là. C'est possible. C'est un peu troublant le fantôme, mais bon. On s'y fait au final. Voilà, petite avance sur mon fantôme. Il s'agirait de la conserver. Ah, ça, c'est dur. Les montées comme ça sont assez dures. Allez. Oui, ça, c'est pas mal. Oh la vache. C'était limite. Voilà le train express de 18h14. Et là, attention au front. Voilà, j'allais le dire, mais j'ai pas fait. Donc, vous voyez, il faut pas que je monte comme une brutasse. Il faut que je monte relativement doucement. Sinon, je me cogne le front. En haut. Allez, poussez madame. En haut des escaliers. Voilà. Et là, il y a carrément un petit truc qui s'écroule. Et là, regardez, je traverse au ralenti. C'est joli. Le bureau, on voit bien la panique que ma petite présence engendre. J'atterris sur la roue avant, je continue. Hop, oh magnifique, je continue. Est-ce que je vais réussir à prendre le train? Non, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Allez, tiens, regardez, petite cabriole juste pour vous faire plaisir, comme tout à l'heure. Et je saute sur le train, je me retrouve sur la rue, les voitures ont un accident devant moi, mais que d'émotion! Me voilà au milieu des... Oh non, c'est dommage. C'était beau mon truc, c'était beau. Bon, allez, on va le refaire. Et puis là, évidemment, je vais le rater. Ça m'a porté chance, mon petit saut périlleux. Donc, je vous le refais. Oh non, allez, allez. Il y a des passages qui sont pas si faciles que ça. Voilà, là, ça passe. Ça passe. Vous voyez qu'il se passe toujours les mêmes choses. Hein. C'est assez... Tout ça est scripté, évidemment, sur le chemin. Ce qui est logique, puisque il faut que vous puissiez faire un score. Donc, il faut qu'il se passe toujours la même chose. Mais on n'atterrit pas toujours sur ces choses qui se passent. Voilà, 83 étoiles, c'est bien, je vais pouvoir ouvrir un nouveau truc. Terreur urbaine, on l'a fait tout à l'heure. Chevauche-foudre, nous n'avons pas fait chevauche-foudre. Eh ben, on va le faire, vous allez voir. Alors, il y a aussi un mode défi où on vous demande de faire, par exemple, du saut en longueur ou alors de faire un parcours avec de l'essence limitée. Un petit parcours bio, en quelque sorte, où il faut utiliser toute l'essence qu'on a et aller le plus loin possible avec. Donc, il faut économiser l'essence, pas toujours être sur l'accélérateur. Oh, j'ai raté ce gars, dommage. Il faut aussi... Savoir gérer son accélération. Voilà, regardez ça, c'est pas classe. Comment je me suis ramassé, j'adore. J'adore la tête, je vais le laisser, tiens, tellement c'est beau. Allez, on y retourne. C'est ça que j'aime bien dans les jeux, c'est que des fois, on se paye un tellement beau gadin qu'on est content. Regardez, le train démarre, ça me donne de l'élan, hop, et ça me permet de sauter extrêmement haut. Je crois que je viens de battre mon propre record de saut. Superbe. Oui, oui, lève les bras, c'est que c'est bon signe. Et maintenant, je continue. Regardez-moi ça. Non, mais il se passe des trucs dans cette ville. C'est pas une ville paisible, hein. C'est pas Asnières. Il se passe vraiment des trucs. Ah, je me suis fracassé la tête. Ça me fait rire. Excusez-moi, mais vous aussi, je pense que ça doit vous faire rire. Mais voilà. Moi, en fait, j'aime bien dans les jeux quand on se trompe, quand on meurt, quand c'est rigolo. Voilà. Ça me gêne pas de perdre, du coup. Quand c'est drôle. Quand c'est pas drôle, bon. Enfin, c'est pas drôle. Alors, attention. Freiner un petit peu. Faut peut-être me laisser tomber. Oh là 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 là, j'ai été rattrapé par le métro. Allez, j'y retourne. Sous les encouragements de mon public. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie, ça. Autant d'accidents dans une ville. Et en plus, un gars qui... Allez! Oh non! Un gars qui vient faire du BMX dessus. Enfin, du BMX, non, de la motocyclette. Tout ça, c'est des motos, il y a un moteur à chaque fois. J'en profite pour vous reparler parce que je ne vous montrerai pas de Trial Evolution. Il y a des nouveaux DLC qui sont sortis, qui sont vraiment très très bien.
avec des trucs complètement barrés. Donc voilà, au début je voulais vous faire voir Trial Evolution, les DLC qui sont vraiment sympas. Mais je suis tombé sur Urban Freestyle Trial et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Allez hop. Ouf, ça c'est dur à faire. Mais je viens de le réussir, je suis très fier de moi, j'y arrive pas à tous les coups. Vous repasserez au ralenti chez vous, vous verrez. Je dis pas que c'est un Rodriguez, hein. Mais pas loin, mais pas loin. Allez, allez, monte. Allez, voilà. Ah, j'aime pas, les montées comme ça, j'aime pas. On a vite fait de perdre de l'adhérence. Attention, compteur de flip, je vais essayer de me retourner. Bim, sur le nez, magnifique. Et hop, voilà, j'ai réussi. C'est passé. Alors vous allez voir que c'est du grand n'importe quoi, je vais quand même finir sur l'aéroport avec les avions qui vont tenter de m'écraser, histoire de finir en beauté. Voilà. Du grand n'importe quoi, il n'y a pas à tortiller. Mais moi j'aime bien le grand n'importe quoi. Et j'aime bien la musique du jeu, que je vous laisse écouter cette fois. C'est du béton, on l'a fait. Pas mal. On va faire pas folle la taupe. C'est bien pas folle la taupe. Ça devient technique. Là, on rentre quand même dans les niveaux où vous commencez à les connaître pour arriver à faire quelque chose. Il y a même des passages où vous êtes bloqué en boucle. Des fois sur des trucs bêtes. Là, vous voyez, un ordinateur, par exemple, ça peut totalement vous bloquer. Ou un carton qui se met mal sous les roues. Et c'est la fin du monde. Donc voilà, je trouve ça un joli petit jeu bien sympa. Un seul défaut, il n'y a pas de multijoueur. Et alors ça, vraiment, c'est dommage. Ça aurait été tellement sympa de faire ça à plusieurs. Vraiment, c'est vraiment, vraiment dommage. La seule façon de jouer en multi, c'est donc avec les fantômes de vos petits camarades. Ça passe ça? Non, ça passe pas. Voilà, là, je peux rester là pendant 2 heures. Donc je reviens au checkpoint. Voilà. Donc vous allez jouer avec les fantômes de vos petits camarades. C'est toujours ça. Regardez bien, là je vais être propulsé, hop, en hauteur. C'est pas terrible comme saut, plus long, j'aurais pu faire mieux. Il y a plein de gadgets et de trucs qui font des cascades incroyables. Ah, ça, celui-là, c'est un truc assez dur à passer, regardez bien. Faut que je me fasse propulser. En haut du truc, oh, j'ai réussi du premier coup. D'habitude, il me faut 8 ou 10 fois pour le faire, celui-là. Parce que je m'écrase comme une merde. Oh bah, on va avoir le droit de le refaire. Ah non, c'est bon, il m'a remis là-haut. Regardez, hop. C'est assez marrant la mécanique, regardez. Je vais essayer de retomber. Si je retombe trop tôt, boum, c'est le menton qui prend. Si je retombe trop tard, ça ne fait pas basculer la porte et je me la prends dans la tronche. Il faut tomber au bon endroit, au bon moment. Genre hop, mais non. Ou alors un peu plus loin et défoncer la porte soi-même, mais prudemment. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment un truc où il faut essayer de... Là, c'est le radar, j'ai aucune vitesse. Il faut essayer vraiment plein de façons de passer. Plus ou moins vite pour arriver à quelque chose et battre des records. Allez, encore, j'ai hâte de vous faire voir, il reste encore quelques minutes, donc je vais en profiter. On n'a pas vu tout ça. L'avenue perdue, je vous l'ai fait voir, c'est du béton, on l'a vu. L'avenue perdue, je crois pas qu'on l'ait vu. Hein. Je me souviens plus, bah on va aller voir. Allez, j'espère pas vous faire voir deux fois le même truc. Vous voyez, il y a quand même du choix. Même si chaque niveau peut être fait de deux façons différentes, en contre-la-montre, ah bah on l'a vu en fait. Bon, oh, allez, je le refais. C'est celui avec l'hélicoptère. Voilà, mais là, du coup, je suis en mode... Voilà, là, faut que je passe ce radar 45 km/h, c'est pas terrible. Donc, c'est le même niveau que tout à l'heure, sauf que cette fois, on va me demander de faire du saut en hauteur, du saut en longueur, etc. Donc, faut essayer de repérer à chaque fois... Boum, saut de précision, j'étais pas trop mal. celui-là, à chaque fois, je me le paye. Faut essayer de repérer à chaque fois ce qu'on nous demande, à quel endroit faut faire une pointe de vitesse, à quel endroit faut sauter loin, à quel endroit faut sauter précisément, etc. Tout ça, c'est de l'apprentissage, évidemment. Et c'est pas toujours facile. Regardez ce petit saut périlleux, c'était juste pour vos yeux. Et je crois que j'ai battu un petit record de 100 hauteurs. Hop, le petit ralenti qui va bien. C'est dommage, ils auraient pu en faire un peu plus souvent. Je trouve que c'est assez rigolo de voir l'action ralentie, parce que souvent, quand on est dans le truc, malheureusement, on n'a pas le temps de tout bien voir. Oh là 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 là, un très beau rebond, ça passe quand même, très bien. C'était pas terrible au niveau son en longueur par contre. Voilà, toi, toi. Et me voilà arrivé. Super. J'ai chaud. Donc évidemment, ne faites pas ça dans la vraie vie si vous avez une moto. Hein, conduisez prudemment, ne faites pas de bêtises. On va aller voir pas folle la taupe. Voilà, j'en étais là, pas folle la taupe, on va aller perte de contrôle. Non plus. Plus ça va évidemment, plus c'est difficile et en même temps plus c'est rigolo. Je vous le recommande. Peut-être que vous croiserez, donc mon gamer stack c'est Marcus The Boulet,
peut-être que vous me croiserez mon fantôme en ligne. Et alors, pas la peine de me demander en ami, parce qu'on me demande toujours ça, mais j'ai dit oui à tout le monde au début, et du coup, je n'ai plus la place d'avoir des amis, c'est limité à 150 sur le PlayStation Network et sur le Xbox Live. Donc, pas la peine de me demander en ami, les amis. Peut-être que vous me croiserez dans une partie avec un peu de chance, mais si je voulais vous ajouter vous... Ah non, faut que j'arrête de faire deux fois la même boulette. Si je voulais vous ajouter vous, ça m'obligerait à supprimer un autre ami. Peut-être même un vrai ami que je connais dans la vraie vie. Ce qui serait extrêmement vexant. Donc voilà, j'ai assez d'amis, merci. On a déjà donné. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. J'ai envie de dire. Voilà, ouf. Un petit saut vers le haut. J'ai cru que j'en sortirais pas dessus là. Oh, ça c'est du commentaire. Hein. Je pense dans ces moments-là à mon ami Ken Bogart par exemple, qui commente des matchs de Street Fighter et autres jeux de baston, et je me dis que c'est vraiment un métier. Quand on en est réduit à commenter par des oh là là, oh là là, c'est que vraiment on n'est pas bien doué pour le commentaire d'e-sport. Voilà. Et pourtant c'est du sport, hein, ce que je suis en train de faire, regardez, je vais exploser sur des bidons, je vole à 15 km. Parfois je le laisse mourir juste pour le plaisir de voir quoi. C'est assez génial les gamelles qu'on peut se payer. Allez, j'y vais doucement. Je passe par-dessus ces trucs explosifs, parce que vous avez vu que ça a mal terminé. J'accélère, mais pas trop. Parce que il faut quand même s'en remettre de ce truc-là. Ouh là 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 là. Eh ben ça passe, figurez-vous. Ça me permet de vous montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles. Parfois, j'aurais pu passer par le haut du niveau. Là, j'ai choisi de passer par en bas. J'ai improvisé, quoi. Je me débrouille comme je peux pour rattraper le coup, mais voilà. Donc... vraiment un truc bien foutu avec des niveaux avec plusieurs embranchements. Tiens, regardez, là je vais vous faire une chouette cascade. Et hop, voilà, ça c'est pas facile à faire. Et c'est classe. Et j'en suis fier. Je dis pas que je saurais le refaire, mais en tout cas, là, c'était plutôt réussi alors que ça c'est complètement raté en revanche. Il faut un peu plus d'élan que ça pour arriver. Vous voyez, pour arriver à choper ce tremplin, mine de rien, c'est pas facile. Voilà. Mais encore une fois, quand on s'acharne sur un niveau pour essayer de battre un temps, on finit par connaître le moindre recoin et on enchaîne assez facilement, finalement. Voilà, je finis par une roue arrière, juste pour la place. Allez, encore un ou deux circuits. Ah non, mais moi, faut m'arrêter, hein, sinon... sinon, je continue. Ah, Alex me fait signe qu'il est temps de s'arrêter. Je veux juste faire crise aggravée. Parce que j'aime bien. j'ai oublié de vous parler du prix, dans mon souvenir c'était moins de 10 euros, peut-être 8, 12 à tout casser, je ne sais plus, je crois que c'était 8, honnêtement c'était 8 ou 10, enfin je sais pas, en tout cas pas trop cher, parce que je vous rappelle qu'on vient d'une époque où les jeux coûtaient quand même 60 euros, 50, 60 euros, donc quand ils ne coûtent que 8 ou 10 ou 12 euros, moi je considère que c'est pas cher. Et puis c'est quand même des heures et des heures de plaisir et de bonheur ce jeu, même tout seul. Alors d'accord, c'est peut-être des heures de plaisir solitaire, mais n'empêche que ça marche. Regardez, quand même, on fout ce truc. Je viens quand même de faire un bon... Allez, 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 fais l'amour à la planche. Voilà, monte. Ça y est. Oh non, 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 pas avec le nez. Une fois qu'on a perdu l'élan, ça devient difficile. Alex Pilote a l'air de vouloir me dire quelque chose. 15 euros, il vient de vérifier. Allez, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Oh non, allez. Oh non, je vais pas rester coincé par un truc bête comme ça, vous voyez. Ça, c'est le genre de petit obstacle, c'est tout bête, mais ça peut bien vous foutre la vie en l'air. Ah, j'ai un peu raté mon saut en longueur, j'aurais pu faire mieux que ça. Oh là là, très beau ça par contre. Et surtout, j'ai évité les deux bonbonnes explosives à l'arrivée. Le radar, est-ce que je vais avoir assez de vitesse? 51 km/h, c'est pas terrible. C'est pas top. Et regardez le bateau qu'on inaugure dans le fond pour terminer en beauté. Voilà! Bon allez, j'arrête avec Urban Trial Freestyle, mais vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Pour 15 euros, encore une fois, ça n'est pas très cher. C'est pas... l'argent ne va pas à moi, mais voilà. J'espère aux musiciens. Un petit côté de la Panthère Rose, parce que j'adore sa musique. Voilà, je le salue au passage et je dédie cette magnifique émission aux musiciens de Urban Trial Freestyle. A bientôt les amis. Désolé pour l'accent anglais.